Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que t'as un petit problème sur Valheim. Alors, si ton toit se détruit comme le mien, bah c'est la vidéo que tu dois regarder. Alors, on se retrouve à la maison pour faire, pour construire le toit. Alors, pour vous expliquer des bases. Alors déjà, j'ai pas construit le plancher. Pourquoi? Je vais vous dire ça direct. Alors, quand on prend un poteau, par exemple, on le met directement là, au contact de la terre, bah, il est bleu. Et si on le met en contact, pas direct à la terre, quoi, du moins, le poteau est vert. Ça veut dire que ça, c'est plus solide et les bases seront plus solides. Et que là, ils seront moins solides. Voilà, c'est faut vraiment prendre en compte ça pour avoir vraiment les bases. Ok, j'ai un copain avec moi. Voilà, c'est parti. Alors je vais vous expliquer comment construire un toit. Alors je répète, je suis débutant. Alors j'ai commencé à faire les fondations un peu pour aller plus vite, pour que la vidéo passe plus vite. Alors on va commencer par un mur en bois à 45 degrés. Voilà, on va le mettre sur les côtés, de chaque côté en fait, sur les quatre côtés de la maison. Après vraiment c'est la base, hein. C'est vraiment la base, c'est pour ça c'est une maison sur 6 sur 6. 6 là et 6 planches de chaque côté, 6 murs pardon. Alors après on va partir sur un poteau en bois à 45 degrés. On va en mettre. Est-ce qu'il est bien droit? Non, il est pas droit, c'est ce que j'avais bien vu. Voilà, là il est droit. Alors on va en mettre 2. Ça va faire un grand toit, mais vous pourrez faire par exemple un étage. Est-ce qu'il est droit là? Je crois pas. Je crois qu'il manque juste. Ah si, c'est bon, il est droit. Ah, il est bien droit, pardon. On pourrait faire un étage. Ok, je suis bien tombé. On pourrait faire un étage pour, je sais pas, stocker des coffres. Voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà. Alors là, déjà, on a la base du toit. On va mettre. Alors, je sais pas si la croix va tenir. Parce que des fois, il faut mettre. On va essayer, voir. Est-ce qu'elle tient? Non, elle tient pas. On va mettre un mur en bas. Un mur là aussi. Parce que des fois, la croix, elle tient. Des fois, elle tient pas. On va mettre un petit mur là. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous avez d'autres idées, faites comme vous voulez. Moi, je fais ça juste pour expliquer les bases du toit, hein. Voilà. Après, moi, je mets ça pour, voilà, ça fait joli. Voilà, vous avez déjà la base. Après, bon, bah, c'est tout simple. Vous mettez votre toit, voilà. Voilà, il est en bleu, vous voyez qu'il y a de bleu. J'aurais dû monter plus avec l'échelle, bon c'est pas grave. On va essayer de se... Voilà, on va faire comme ça plutôt. Ah ouais, on va faire une deuxième rangée. Pour l'instant, en fait comme vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Bon là, rouge parce que je bloque en fait, mais il y a vert, bleu, bleu, vert... Jaune, orange et rouge. Hein. Par contre, j'ai mis bien droit le. Attendez, je vais monter. Je crois que ça. C'est pas mal ça, j'aime bien. Je préfère ça que l'escalier. L'escalier, j'ai un peu de mal à monter. Voilà. On va faire une petite. On va reprendre. Voilà, on va essayer de bien le placer pour pas qu'il y ait de trous. Voilà, parfait. Voilà. Vous voyez comment ça va être jaune. Je vais vous expliquer 2-3 trucs après pour solidifier. Voilà. Vous voyez, il tombe plus le mur déjà. Le mur. Je sais même pas si je pourrais faire. J'aurais même pas besoin de poutre. Mais bon, je vais vous donner des petits conseils pour. Est-ce que je vais arriver de l'autre côté? On voit vraiment le débutant du jeu, mais j'espère que cette vidéo vous aidera.
Si vous voulez me suivre dans mon aventure, je suis sur Twitch. Voilà, j'ai une petite promo de ma chaîne. N'hésitez pas à liker. Bon, ok, on va faire autrement encore. J'ai un peu de mal. Je sais pas si c'est le stress de la vidéo ou pas. Je sais pas du tout. Alors, ah voilà, on arrivera plus facilement comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez que... Bon, maintenant, ouais, c'est en rouge. Par exemple, vous avez un toit plus haut. Hein? Et si vous voulez, par exemple, aussi, savoir comment faire pour évacuer la fumée de la maison, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que je vais faire sûrement une autre vidéo, si ça vous a plu. Et si vous avez besoin d'aide sur d'autres choses, ou vous voulez que je fasse une autre vidéo sur tout ça, bah, n'hésitez pas les amis. N'hésitez pas à dire en commentaire. Comme ça je ferai la vidéo directement pour vous expliquer comment faire si vous avez des problèmes dans le jeu. Voilà. Par exemple, vous faites un toit plus haut. Voilà, c'était là, parce que je parle, mais vous prenez une poutre, vous la mettez bien au contact du sol. Hein, de la terre bien sûr, et vous montez par exemple, et là, je vais monter juste un cran, voilà, et en fait voilà, vous voyez, ça a changé de couleur déjà, c'est plus rouge, vous voyez, c'est rouge là, et là c'est orange, ça veut dire que ça a solidifié le toit déjà. Ok, après vous pouvez mettre des poutres un peu partout si vous voulez faire un beau décor et tout. Ça c'est vraiment pour vous expliquer les bases du... Comment faire un beau toit. Hein. Un toit de base. Par exemple vous pouvez mettre des poutres comme ça qui tiennent là, après une autre poutre qui monte, etc. etc. Hein. Ça, faites comme vous voulez. Hein. C'est vraiment pour vous expliquer... Alors on va continuer. On va finir le toit. Ok, j'ai plus de bois. J'en avais pris. Ah non, en fait. Comment ça se fait, j'ai plus de place dans mon inventaire ou... Ouais, faut peut-être le ramasser alors. Ah, je pense qu'il faut le ramasser. Ouais, ouais. J'ai encore du bois comme ça. Voilà. Alors. Hop. Ah, j'aurais dû faire un truc un peu plus... On va venir là. Hop. Et voilà le petit toit. Voilà, fait le petit toit. Bon, en haut, vous faites comme vous voulez. Hein, si vous voulez mettre... Par exemple, ça, vous mettez par rapport à ça et tout, etc. Ah, c'est vraiment la base. La base d'avoir un beau toit. Donc, c'est tout ça. Voilà, on est là. Et en fait, n'hésitez pas à mettre des poutres pour solidifier mieux le toit. Ok, d'accord, on a vraiment fait ça à l'arrache. Mais c'était vraiment pour vous expliquer les bases du toit. Hein. Je le répète encore parce que je connais, il y a des petits... Voilà, tout simplement. Après vous montez, après vous pouvez faire plein d'autres choses hein, pour finir le toit. Je sais pas, vous faites... Moi c'est vraiment le début. Ouais, vous pouvez construire là pour aller plus haut. Pour aller carrément sur le toit, parce que c'est vraiment raide, alors du coup pour monter c'est un peu galère. Parce que là je suis en train de commencer mon village, en plus je suis pas en pierre, rien, alors du coup c'est... Ouais, vous pouvez finir comme vous voulez. Voilà, on va mettre un toit comme ça, on va essayer de le mettre droit. Je vais le mettre comme ça, voilà. Hop. Parce que
chambre du coup. Je sais même pas s'il faudra pas une petite poutre. Non, ça ira normalement. Voilà. Parfait. Ça, vous avez le toit fini. Voilà, vous avez un beau petit toit, une belle petite maison. Après, vous pouvez faire des fenêtres. Alors, je vais vous montrer un peu. Voilà, comme... ok, c'est pas ici. Voilà, vous pouvez... c'est des idées de fenêtres. Voilà, une petite fenêtre, tranquillou, avec une poutre en haut, un petit muret en bas. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans mon commentaire, dans les commentaires, si vous voulez un jour, je vais visiter ma ville, mon petit village, du moins, quand il sera fini. Et moi, je pense qu'il va mettre un peu de temps, parce que c'est assez compliqué. Après, si vous voulez, pourquoi pas faire des vidéos, visiter vos villages et tout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça, je vous contacte, on se contacte, et je viens faire une petite vidéo, moi, j'ai cassé le... vidéo sur votre village, ça m'intéresserait aussi. Ce jeu m'intéresse vraiment et c'est vraiment bien. Dites-le dans les commentaires si comment vous trouvez le jeu. Voilà. En tout cas, bon, voilà, la vidéo est finie pour ce petit tuto, comment faire un toit solide et efficace pour plus galérer à faire tomber. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner aussi, c'est très important. Et n'hésite pas à me suivre sur Twitch, je mettrai le lien dans la description. Je te dis bye, à la prochaine, ciao ciao. En live quasi tous les jours, t'es le bienvenu chez Illégal. Multigaming fun humour, pour le gameplay il régale. Dans son à propos t'as tout, ce mec est carré, tu le constates. Tu peux le suivre un peu partout, Twitter, Instagram, Snapchat. Tout ce qu'il fait gros c'est le feu, même ses vidéos cartonnent. Pense bien à mettre ton pouce bleu et la cloche vert quand tu t'abonnes. V2 Srime.